Avant 18 novembre 2019 qui pourra venir là, l'opposition a annoncé qu'il pourra l'installer un président provisoire. Non seulement il pourra l'installer un président, mais il pourra choisir directeur, ministre, et il pourra l'installer dans place tout ministre, tout directeur général qui est dans le gouvernement président Jovenel Moïse là. Que Jovenel Moïse voulait, quel pas voulait 18 novembre et gouvernement que même yo choisi que yo déjà gagné 3 et candidats que nous connaissons ont gagné une commission que ont mettez sous place le commission de passation de pouvoir qui déjà choisi 3 juges dans cour de cassation et tout simplement arrêté pour et alternative là Jean relé tête yo même yo choisi une 3 et candidat sa yo, yon nan 3 juges sa yo, c'est yon nan yo qui pourra venir remplacer président Jovenel Moïse. Et d'après ça, André Michel fait connait, c'est pas même ensemble avec ça qui fait et Venezuela, côté que président sa qui yo te choisi, deuxième président, lui même li pa gagné kin pouvoir. Parce que d'après ça, on fait connait, et Maduro lui même li gagné tout pouvoir, mais Jovenel Moïse lui même li c'est un cadavre politique, gens que nous connaît. Que André Michel lui-même lui toujours dit ça. Moi invité nous pour nous capable d'entendre André Michel qui était dans micro et journaliste et journal première occasion que nous connaît qui passait sur Radio Caraïbes. Entendez André Michel pour plus précision. Bonjour guerrier, bonjour Pierre-Renel René, bonjour aux auditeurs de Radio Caraïbes FM. Bonjour Patrick Moussignac. Bonjour tous partisans, toutes scientifiques alternatives. Ensemble bâti pays d'Haïti. Oui, je ne sais pas si questions Pierre Renel. Bon, effectivement, je me tends des questions Pierre Renel René. Et moi, je crois que ou même guerrier, et ensemble avec Pierre Renel, nous avons une intelligence pour nous te signaler qu'à aucun moment de la durée, et M. André Michel ne parlait de couvre-feu. Évidemment, l'interpréter comme une question de couvre-feu. Mais le plus important, cette question, je dis à l'alpagne importante, dans la mesure où, hier après-midi, à partir de 7h du soir, et tout le monde était effectivement rentré à la caillou. Et nous avons des raisons fondamentales pour ça, parce que nous croyons que nous avons de fortes menaces sur la sécurité de la population. Et hier soir, et voilà pourquoi on avait demandé à la population pour te rentrer à la caillou. Et nous remercions, au nom de toute l'alternative consensuelle, la population qui avait écouté le message qui avait été lancé. Oui, et pas de pareil de tous côtés, en tout cas. Comment? Non, mais c'est pas de pareil de tous côtés. Oui, mais... Oui. Bon, peut-être que toutes les zones nous passées, il est capable de faire comme ça, mais que les zones nous passées, nous sommes tous dans la rue. Allez, mais André Michel. Nous voulons parler avec vous au matin, là, justement, je pense que vous avez entendu l'interview avec Hugues Célestin, qui dit depuis samedi, parce qu'il fait interview hier, elle dit 24 heures avant, donc il était voyé by Alternative, non, 3 juges, que Gagnon n'a bien pour le choisir pour président. Et est-ce que, effectivement, non, 3 juges, ça y est, non, mais non, est-ce que l'est possible pour révéler, malgré le journaliste Enoch Charisma, qui bat et 3 dons? Première question, c'est que, effectivement, rapport commission en parlait depuis longtemps, Jean-Hugues Célestin dit là, il était pratiquement censé remettre nos noms, censé. Mm-hmm. Mais il se trouve que c'est gagné un problème, nous étions supposé traiter d'abord au niveau de l'alternative là. Et c'est ça que depuis hier, en principe, nous n'avons pas trouvé ce droit noir. Et je crois que dans les minutes qui viennent, ou bien dans les heures qui viennent, la presse a recevoir en notification dans ce sens-là, ou bien en lettre d'invitation, parce que nous avons décidé pour commettre en fait, et en présence de la presse, pour que l'opinion publique puisse être informée de questions. Mm. Maintenant, est-ce que nous sommes capables de révéler non yo, automatiquement, il y en a main, non. Il y a censé dans main, yo, non, mais il faut qu'on finisse dans main, non. Mm. Probablement, d'ici ce soir, il y a dans main, non, mais par quoi c'est comme ça la fête. Mm-hmm. Parce que l'alternative, peut-être ensemble, gagne plus passé et
une cinquantaine de partis politiques qui s'y alternative là, gagnent tous sénateurs, tous députés qui s'y aînés, gagnent un bon groupe de base, un groupe paysan, un groupe populaire, un groupe Petro Challenger, qui s'y alternative là, un groupe diaspora qui s'y aînés. Nous ne pas vendre pas nous, le conseil, et puis nous, tout, nous, on ne peut pas faire ça comme ça. Oui, non, nous ne pouvons pas. Non, en fait, yon là d'ailleurs, mais nous cabaye tous les trois. Non, mais un appel. Il y a pas nous supplie cacheter. C'est ça la procédure. Il y a pas nous supplie cacheter. Et n'a convoqué tout de suite après, on assemblé des signataires de l'alternative. Côté pli a ouvri en présence des signataires de l'alternative qui seront présents à cette rencontre et n'a tout choisi qui est n'a été président provisoire. Tout de suite après, a une commission que n'a monté, une délégation en quelque sorte, qui pourra annoncer mon nom choisi hein, officiellement que c'est lui-même nom choisi. Et d'ici là, d'après ça, connaît qui trois monde qui est nom choisi. Maintenant, question qui posait dans l'émission en matin. Question qui posait dans l'émission en matin, c'est qu'il est n'a installé. Parce que Pierre-Renel René se font rappel de M. Giragou qui est installé comme président symbolique. Bon, nous-mêmes n'avons pas dans la logique président symbolique. Et parce que et Convergence démocratique, là, pas de gagner et capacité de convocation. Que alternative consensuelle la gagne aujourd'hui. Et Jean-Bertrand Aristide, qui était président à l'époque, il était bon capacité de mobilisation sur le terrain, hein, ou pas qu'à comparer Jean-Bertrand Aristide avec Jovenel Moïse, qui sont véritables cadavres politiques aujourd'hui. Hein. Ça veut dire que nous ne pouvons pas mettre un président symbolique. Nous avons choisi un président et nous déjà informé tout le monde qui est dans la mobilisation. Hein, à partir du moment où le choix a sauté, à bon acclamation populaire. Le peuple a levé campé, n'a pas une journée de mobilisation, et le peuple a levé campé du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans tous les départements, dans toutes les communes, dans toutes les sections communales, pour acclamer ce président provisoire qui sera choisi. La peste à l'équipe côté. Pas gagné. Oui, non, acclamer. Ça, non, après ça, côté le Galchita, côté le Galgenbuol, acclamer, c'est pour lui donner une véritable légitimité populaire. Parce que la démocratie haïtienne doit être effective. Si c'est la population qui acclame un président dans un contexte de crise, il doit être installé. Maintenant, qui là nous va l'installer? Bon, c'est sûr, et n'a pas gagné pour nous présenter à la nation, par contre, qui joue qu'il est, mais ça me connaît, ça me garde comme information. Président provisoire n'a pas choisi, 18 novembre pour le faire discouvertir. Ok, mais par contre, tu peux l'installer. Attendez. Et puis, deuxième bagarre, Mabdou, nous ne pouvons pas le mettre président symbolique. Nous avons fait un président effectif. Okay. Et nous avons installé lui. C'est non institution, l'État n'a pas installé. Mais pas dans palais. Comment? C'est pas dans palais. Non, n'a pas été capable dans palais. Il capable dans le ministère de la Culture qui en face palais. Mais pas qu'à loin palais à tout. Donc, n'a pas gagné deux présidents. Nous n'avons pas gagné deux présidents. Comment ça? Parce que, si tu as un allez le voir, c'est le président, pas nous qui président effectif. Il va le faire qui ça? Qui est moyen? Il va le passer la police dans l'ordre? Il va le passer ministre dans l'ordre? Eh bien, c'est là que tu vas voir. Nous voulons reprendre le modèle Venezuela. Président, nous choisissons. Ah oui, Venezuela, il joue. Opposition va gagner force Venezuela. Et force nous gagner l'opposition va gagner Venezuela. Maduro, très populaire au Venezuela. Jovenel, son cadavre ici. Net n'a pas choisi d'être président, ou bien femme n'a pas choisi, parce qu'il faut qu'on va nous lire là. Maintenant, moi dire, c'est pas pour président symbolique. Si président nomme mon directeur général l'a installé dans la place directeur là. Si le nom mon ministre l'a installé dans la place ministre là, c'est pas bon choix.
Maintenant, Jovenel Moïse a bien. Moi, je pense que. Oui, mais l'autre ministre qui l'a, il n'a pas pris là. Il a sorti. Ah, il a sorti par le ministre là. Jovenel Moïse a sorti tout, oui. Ah, parce qu'il n'était pas là. Jovenel Moïse a sorti tout. Ça a sorti tout. Parce que la démocratie haïtienne doit être effective. Donc, c'est. Donc là, nous parlons élection et vous parlez de démocratie. Comment? Non, vous parlez de démocratie là, sans élection. Ah, ah bah, mon cher, je vais tout faire court. Je vais parler avec vous, je vais parler avec vos auditeurs. Je veux que les auditeurs de Radio Caraïbe, qui attendent le matin, attendent ça me dire bien. Souveraineté populaire est exercée de deux manières. La souveraineté populaire peut s'exercer à travers des élections libres, honnêtes, démocratiques. Mais elle peut s'exercer aussi à travers de fortes mobilisations populaires. Leur président... Nous ne va même parler de référendum, comme nous va gagner. Leur président, référendum non constitutionnel. Non, mais la manifestation populaire est constitutionnelle. OK? Leur président, il y a 500 000 personnes qui votent et qui ont contesté. Il y a 2 millions de personnes qui disent « Allez, eh bien, vous n'avez plus de légitimité. Okay. » Et moi, je dis, nous-mêmes, nous pas pour installer le président symbolique, nous avons souhaité la communauté internationale attendre ça m'a dit là, nous avons souhaité Jovenel Tandel, et moi dit, encore une fois, nous souhaitons rapidement, commission facilitation que M. Gervais a dirigé, que Hugues Célestin a parlé pour lui, de créer conditions rapides pour passer un pouvoir fait en douceur. Parce que nous ne pas pour la question président symbolique, nous-mêmes, nous allons faire ça. Son président effectif, clapier, cap installé, cap de gouvernement, et ministre-président, la chita dans place ministre, directeur général n'a pas nommé, la chita dans place directeur général, et 18 novembre, fort président, nous choisissons fait discours de guerre. Et c'est la supposée branle Port-au-Prince pour moun commencer courir derrière cortège là jusqu'à Versailles. Définitivement, définitivement, je le dis, je le répète, la démocratie haïtienne doit être effective. Et je demande à la communauté internationale, encore une fois ce matin, de comprendre que Jovenel Moïse a perdu le contrôle du territoire national. Jovenel Moïse n'a aucun contrôle sur la dynamique politique nationale et que automatiquement, le continuer, le penser, le caractère sous pouvoir, ça pourrait le mener pays dans le chaos le plus total, nous pas pour l'installer, président symbolique, et pas jouer tout le monde après. Donc, place non président, c'est dans le palais national, donc on dit peut-être un président pas nous, car tout près palais. Et bon, moi, du coup, là... Oui, non, on dit le cas tout prêt dans le palais à tout. Donc, dans notre palais. C'est pas qu'on a parlé de président symbolique, parce que nous n'avons pas laissé président symbolique nous-mêmes. Nous, on parle de président symbolique. On l'effectif. OK. Et dans le canon, mon directeur général, on a là et puis nous installons. Et puis la collecte comme... Oui, la... On l'a installé. On l'a nommé, on l'a mené... Et puis la collecte l'argent pour la population. Oui, mais là, mais... Non, c'est puis la collecter directeur on a ça, la recevoir, la signer document, la communiquer, la voyer, par contre, la bien contact international là, tout ça. Mon cher Mouetou, nous n'avons pas notre président symbolique, madame Aïssa, OK. Mais nous avons des ministres affaires étrangères, nous, qui a participé dans l'ONU, qui peut aller de tous côtés. Président symbolique, là, il est mais c'est clair que nous pas dans la constitution là, M. André Michel. C'est clair que nous pas dans la constitution là. Mais laisse-moi te dire, Pierre Renel, au moment où je te parle ce matin, nous ne sommes pas dans la constitution. Constitution pas de prévoir, nous avons fait 8 mois sans gouvernement. Nous pas dans la constitution matin. Hein? D'après la constitution, il faut que les élections depuis 27 ou 28 octobre, pas d'élection. Mais parlement pratiquement caduque là. On n'est pas dans la constitution. Au moment où l'on se parle ce matin, toi et moi, mettez-nous en dehors constitution. Hein? Nous-mêmes, on a profité avec population de dynamique exceptionnelle ça pour nous réaliser une vraie transition. Une transition dans le sens des intérêts de la République, une transition qui sera la dernière transition, une transition qui pourra permettre que nous fassions procès Petro-Caribé, nous fassions procès Dermalogue, procès Sofidaï, nous fassions procès Massacre La Saline, une transition qui pourra permettre que nous fassions conférence nationale haïtienne souveraine, pour nous jeter les bases de l'émergence de nouveaux projets de société, pour nous casser système d'exclusion
qui chita sous corruption nous gain là, qui s'y m'a émise dans quatre coins pays là, et c'est ça notre combat. Et donc, dans l'interview, Hugues Célestin, il dit qu'il prévoit rencontrer avec le président de la République là, et ou même ça a semblé pendant l'agenda nous. Non, attendez, commission facilitation, hein, l'est capable de rencontrer le président pour le président, écoutez, parce que quand même, puisque le président, nous, le peuple afghan pratiquement acclamé, le peuple afghan poté du nord au sud de l'Est. Ouais, c'est normal pour le président, pour la commission facilitation, hein, du président, écoutez, il y a un président qui vient d'être choisi par le peuple de façon légitime, eh bien, c'est des places pour nous installer. Bon, ils sont pas normal pour le faire, il n'y a pas de problème. Mais moi-même, pas pour raconter ça, c'est M. Gervais Charles Capla, Yves Célestin, qui pourrait le dire, et Jovenel Moïse, bon président qui choisit, c'est des places pour nous installer. Et le ça, moi, quoi que nous ne pouvons pas laisser frapper, parce que Jovenel Moïse, et comprennent que le perdu contrôle la situation. Hein. Et m'a dit autour, il y a des gens proches qui expliquent nous que le président reconnaît que le perdu contrôle, mais qui souhaitait que le consortium honorable, mais attendez, etc., Michel. Etc., etc., etc. Qui plan B nous si démarche ça n'a pas abouti? Plan B? Mm-hmm. Je ne peux pas j'aime dans plan B, non? Mm-hmm. Un politicien qui a fait plan B ne peut pas qu'on a plan B lui-même. Mm-hmm. Pas lui-même, le plan pas souverain, calme les alphèles. Mais c'est pas j'aime dans plan B. C'est quoi un gars parle de plan B ou bien faire de plan B, c'est politicien qui a fait manœuvre. Fait pas dans plan B. Fait pas sous ciel plan B, ça rien à le faire. Il dit là, mettre ton gouvernement tradition, le met-il. Il dit là, tu as procès après ton calibre, le fait. Il dit là, tu as conférence nationale, le fait. Il dit là, casser le système, le casser, le fait pas dans plan B. C'est quoi un gars de plan B, plan C, c'est politicien qui a fait manœuvre. Et qui s'en a fait si mon on choisit dans la cour de cassation, tu as refusé? Ah bon, ou pas nous petit monde même. Non, mais moi, m'a dit à Yves Célestin hier, m'a dit à Yves Célestin hier, est-ce qu'il a rencontré trois mouns ça, il n'a pas répondu. Ou même, peut-être qu'il a répondu. Ou qu'il a répondu, non ça. Il n'a pas répondu. Moi, d'où, nous petit monde, comment t'as fait choisir un monde pour le pas d'accord. Ok. Ou pas nous pour jouer. Ok. Donc ça veut dire, nous rencontrer à trois mouns ça, ou déjà? Moi, je ne pas dit ça. Ah, ok. Même d'où, m'a dit ça. Vous me donnez matin, une émission importante. C'est Radio Caraïbes, tout le peuple l'attendait, tout le monde alternative l'attendait, moi. Je viens ça pour me dire, je viens ça pour me battre. D'accord. Vous me dites, est-ce que nous avons choisi un monde pour ne pas être d'accord? Moi, je dis, nous n'avons pas dit mon petit, je ne vais pas plus, non? Ok. Ok. Ou dit que nous n'avons pas perdu deux mois passés, est-ce que nous avons été en délai pour nous jeter Jovenel et à qui moyen? Moi-même, je dis que. Côté nous est là, nous sommes dans la bonne direction. Et je suis capable de dire que dans pile concertation qu'a fait. Et même au niveau de la communauté internationale, il y a dans pile prise de parole, prise de contact avec et Jovenel Moïse. Et dans pile là-dedans, qui expliquait que y a même tout, il n'y a pas comment est-ce qu'il peut continuer à exercer le pouvoir. Gagner de très proche Jovenel Moïse. Si pas là avec lui tout qui dit ça. C'est me aller plus loin. Même dans le propre parti Jovenel Moïse là, et quand il y a le monde qui croit que le président n'est pas capable de continuer et de cesser le pouvoir. Moi, je n'ai pas qu'à penser par la président et faire comprendre que dans le contexte politique actuel, il n'y a pas de possibilité pour le relever encore, pour le recamper. Et il n'y a pas de comment capable de ça m'a une façon pour me dire que, contrairement à ça, on est capable de penser, la population doit continuer la bataille, continuer à mobiliser, même quoi que nous pas trop loin d'une d'accord. Sortie de attendez, Michel. Dans le sens des intérêts de la population. D'accord. Et bon, moment de ça, une fois le président nous a installé, toute activité n'a pas reprendre, l'école n'a pas l'ouvrir. Mais ça n'a pas bien mobilisation dans la rue. Mettre là. Si Jovenel Moïse quitte le pouvoir matin là, demain matin. Non, m'a parlé là, nous installer président Panoua. Hein? Les nous installer président Panoua. Est-ce que toute activité a reprendre, mobilisation a campé? Écoutez, depuis mon pouvoir, qui c'est pouvoir peuple là, qui prend contrôle de la situation, hein, c'est normal pour que le pays lui recommence à fonctionner normalement. Parce que je dis, c'est le peuple là qui choisit ton sacrifice
pour manifester des accords liés avec Jovenel Moïse, pour manifester le fait que l'on rejetait Jovenel Moïse comme président. Mais attention, population n'a pas besoin de pays arrêter fermé, arrêter bloqué. Et si Jovenel Moïse avait un minimum de compréhension politique, il doit comprendre qu'un chef d'État qui est au pouvoir, qui a un pouvoir effectif dans le monde, ou pas capable de sécuriser la population, ou pas de contrôler le pays. Jovenel Moïse n'a pas capable de sauter pour la caille. D'ailleurs, 17 octobre, même Pont Rouge, il n'y a pas de qualité. Il n'y a pas qu'à dire pour le pouvoir. Il n'y a pas qu'à dire pour la montagne, il appelle la caille ou guerrier. C'est-à-dire c'est un chef d'État qui n'a aucun contrôle. Maintenant, s'il se comprend le jeu politique là, il se serait déjà retiré. Comme il n'a pas compris, le peuple a prêté dans la rue, le peuple a continué à mobiliser pour forcer le démissionner, forcer le retirer l'école. Mais nous donnons la garantie. Bon flou là, mettons Michel. Bon flou là. Nous avons garanti, à tout le monde qui attend des Radio Caraïbes que sitôt nous installons le gouvernement provisoire, eh bien, le pays retrouvera son calme. Le pays retrouvera sa paix sociale, sa stabilité, toute bagarre fonctionne normalement, la sécurité des citoyens sera garantie. Même lorsque, même le président Jovenel était dans le palais national. Bon, bral, son bagage, pas aucune chance pour le rester. Mais Michel Pégard, déclaration ça fait. Bah, non, parce que l'ordre dit depuis le président Panois installé. Donc, ça veut dire toute activité pour le reprendre. Jovenel lui-même est à régler à faire parler dans le palais. Nous-mêmes, nous avons réglé Panois dans l'autre palais Panois. Nous ne donnons pas nos présidents symboliques nous-mêmes. Nous ne donnons pas nos présidents symboliques pour que j'ai fait la gérard.